j'ai organisé cette journée du sport scolaire avec toute mon équipe, à la fois le service régional, mais les enseignants d'EPS de l'Académie de Paris. Bien entendu, nous avons eu la chance de pouvoir avoir la mobilisation de notre direction nationale, des fédérations, du ministère. Et puis il y a des champions quand même, il y en a un petit peu, il y a des gens qui sont là, il y a des... Bonjour. Alors est-ce que vous étiez des amis engagés dans les actions sportives de vos lycées de l'enfer? Moi j'ai juste dit que ça commence même avant. Lycée primaire. Oui. Il y avait une association sportive dans la ville, ça devait aménager. C'est pas bonheur. Le kitesurf, évidemment, ça n'existait pas, mais c'était dans d'autres activités, effectivement. Maintenant, ça existe. Et vous aviez commencé? Moi, c'est là où j'ai découvert l'activité. C'est là où j'ai commencé. Par par les cours d'EPS et par l'association sportive? Ouais, ouais. Vous avez du rapport à la maison de sa touche personnelle sur la fin? Notamment parce qu'il y a un peu non, mais attention aux détails, quand je... c'est justement ça qui caractérise. Ça va, c'est sympa d'être là encore mobilisé. Là. Normal, il faut accompagner des jeunes à travers leurs projets pour que plus tard, ça soit des futurs supporters positifs, voilà. Des futurs dirigeants, des futurs éducateurs, des futurs journalistes. Bonjour. Ça va? Ça va. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de faire ce genre de pratique. Là, quand vous mettez tout le monde sur terre, vous ne savez pas où c'est. Eh oui, absolument. C'est ça qui est intéressant. Et après, il y en a peut-être qui se lèvent et d'autres comme moi qui ne se lèveront pas. Les gens valides peuvent très bien faire des choses avec des personnes handicapées. L'inverse n'est pas vrai. Et vous avez commencé à faire des choses d'autres. N'hésitez pas. J'ai 5-6 ans en club de tennis. J'ai fait un sport études collège. Sport études aussi. Puis mon collège. En tennis, c'est vraiment la boîte. Donc là, c'est super là-bas. Et en face, en fait, les petits, en fait, ils ont commencé il y a 20 minutes. Et je vous invite à aller voir parce que c'est déjà très bien. C'est le début là, ils démarrent. Ils ont appris en fait à se déplacer. Alors il paraît que vous êtes enseignant dans ce lycée, c'est ça? Génial. C'est leur première minute d'escape. Là, c'est leur première minute. Je crois que nous avons proposé à nos élèves une superbe journée. Très belle participation des enseignants eux-mêmes avec leurs petits élèves. 950 ce matin, 650 cet après-midi. Une mobilisation dans 130 établissements parisiens sur le même vocable. Donc je pense que c'est une réussite pour nous.